intéressant. Voilà, on va sortir. On va y aller dans le bol. C'est un koi. Ouais, c'est un pas koi. Ça pète un petit peu quand même. Hein. Il n'y a rien à dire, hein. Ça pète un petit peu. Bon, c'est ce qu'on appelle du vol d'image. Enfin, tu sais, Fred, moi je t'autorise, hein, il n'y a pas de souci. C'est vrai, tu m'autorises. Ouais, bon, ben, je m'autorise alors un petit peu aussi. Tu m'autorises à autoriser. Ouais. Bon, alors, on va continuer. Donc, ben, voilà. Donc là, c'est le premier bassin de la matinée. Donc, voilà. Donc, on va faire une petite sélection dans ce bassin-là avec son dénissail. Donc là, il y en a à peu près une petite centaine. Donc voilà, donc on va passer un petit moment ici à tout trier. Après, vous pouvez voir que dans cette ferme, on a une multitude de bassins avec déjà des cages qui sont présentes. Ou c'est déjà des magasins qui ont déjà fait leur sélection auparavant. Ou même des cages tout simplement vides. Un petit exemple de ce qu'on trouve chez Subrider. Sachant qu'il va encore sortir encore de nombreux koi, hein, tous les étangs sont pas encore vides. Donc il faut bien se dire ça. Là ce sont les tossailles. Donc là vous pouvez voir qu'il y a vraiment une grosse quantité de tossailles. Ah, donc là, ils vont passer l'hiver dans le bassin. Ah, parce que l'hiver, on a plusieurs mètres de neige. Donc, pour les protéger du froid, donc, les éleveurs rentrent tout le monde dans la serre. Voilà, bon, écoutez, je retrouve David. On va procéder à la sélection. Je vous dis à bientôt.